Et salut à toutes les gars, c'est Roulian. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le lancement de ma carrière manager avec ce Sonton, vous avez vu dans le titre. Donc, cette carrière manager remplacera la carrière pro que j'ai décidé d'arrêter, simplement parce que je prenais pas du tout plaisir. Et puis voilà, il y en a qui m'ont conseillé aussi de commencer une nouvelle carrière, d'autres qui m'ont dit de continuer, mais j'ai préféré prendre le choix de recommencer une autre carrière. Parce que c'est ce que je voulais faire simplement. Donc avec Sonton, donc là voilà, vous voyez les objectifs à remplir. Bon voilà, on s'en fout, j'ai pas essayé de parler en même temps. Donc pourquoi ce Sonton? Parce que j'avais vraiment envie de pas prendre une équipe qui joue titre ou la Ligue des Champions, voire même la Ligue Europa, ça me dérangeait un petit peu. Une équipe moyen avec un peu de budget, c'est que la première ligue, c'est le championnat que je kiffe le plus, hein, c'est le championnat le plus intéressant à faire sur FIFA, et c'est le championnat le plus intéressant tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai pris j'étais en BPL. Après, je voulais pas non plus une équipe qui joue le maintien, genre Burnley et tout. J'avais besoin vraiment d'une équipe qui joue le mieux tableau, et je pense que Sonton c'est vraiment intéressant. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez un choix d'équipe plutôt intéressant, mais moi j'apprécie plutôt, il y a de bons petits joueurs, vous verrez ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, parce que voilà, moi je sens que je vais aimer cette carrière. Voilà, j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Donc elle sera en parallèle avec ma carrière manager avec Saint-Etienne. Donc, ouais, il y a Rashford, j'avoue que Rashford ça peut être pas mal. Même Origi. Ah, mais bon, on verra. Donc, on va se faire un petit rapport à l'équipe pour vous présenter l'équipe. Au goal, on en a deux. Le problème, c'est lui, il vient d'arriver. Donc, je suis obligé de vendre l'autre si vraiment. Je suis pas obligé de le vendre. J'avoue que j'ai bien envie de recruter un gardien. Comme vous savez, avec ma carrière, j'aime toujours avoir un gardien prometteur, jeune. J'ai la Fonk Saint-Etienne. Je sais pas qui recruter là avec. Un deuxième gardien qui deviendra sans doute titulaire très très rapidement, même avant la fin de saison, parce que bon, là l'autre gardien est un peu pété. J'ai remis pied ancien lyonnais qui a failli signer à Saint-Etienne. Normalement, il a préféré Sonton, ce qui est bon, ce qui est compréhensible vu déjà vu deux saisons qu'on fait avec Saint-Etienne. C'est, je pense qu'il doit pas regretter. Enfin, si vu qu'il s'est fait les ligaments croisés, donc bon, il doit être un peu deg. Oh, lui est jeune, ouais, lui par contre, il est pourri. On va prêter, donc c'est à vous aussi de me conseiller des joueurs dans les commentaires. Ouais, lui, bof aussi. Voilà. De toute façon, vous verrez. Pour l'instant, je sais pas trop quel poste je dois recruter. Mais je regardais vite fait l'effectif. C'est vrai que il me faudrait un petit buteur quand même. J'aimerais bien parce que ça manque de vitesse devant. Warcross, lui, c'est un bon terrain. Les deux là sont vraiment intéressants. Davis, par contre, il est un peu vieux. Donc on va le vendre. Flanagan, ouais, vas-y. Bim. Tadic intéressant aussi, Rodriguez aussi, Sims, ouais bon toi c'est pareil. Voilà, lui il est jeune mais bon il a pas vraiment un gros général. Ouais, lui buteur c'est pareil. Donc là on a Austin et Long. Alors Long, j'avoue je sais pas trop quoi faire. C'est vrai qu'il est assez rapide. C'est ça l'attaquant rapide que j'ai, mais voilà, je sais pas trop encore ce que je vais faire. De toute façon, voilà, je pense qu'il y aura un ou deux matchs dans cet épisode, mais tout simplement, voilà, ça dépendra des sensations que j'ai. Rodriguez, ouais, il a pas 4 étoiles, c'est quand même pas mal, dommage. On va le mettre sûr parce qu'il est gaucher, il peut rentrer son pied droit. Avec Tadic, qui a 4 étoiles, ça c'est cool. Par contre, il est pas très rapide, il me semble. Donc j'avoue que, ouais, il peut jouer MOC. Alors pourquoi pas tester un site de jeu avec seulement un avec un MOC simplement, parce que j'ai franchement il y a moyen de faire de bonnes choses. Hein. Avec Bouffal, je pourrais peut-être le faire jouer MOC. Bouffal qui est carrément la star de cette équipe, hein, on va pas se le cacher. Mais après, ça qu'un attaquant, j'ai franchement du mal. Austin, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup en vrai, mais j'ai franchement trop du mal. Sur le 16, je l'avais testé avec Saint-Etienne en live, stream pour ceux qui s'en rappellent. Bon, il y avait 4 personnes qui en avaient la vue, donc je pense que il y aura personne qui va s'en rappeler. Mais voilà, j'avais trouvé nulissime, j'avais recruté, j'avais rendu 6 mois après. Donc ouais, donc au goal, voilà, je vous montre un peu les joueurs qui m'ont intéressé. Dolberg en pointe, donc j'ai fait des... Voilà, je me suis renseigné. Mery en défense centrale, j'ai vu ça, c'est des joueurs que pas trop connus. Mbappé, hein, bon, Mbappé il est connu. Mais je sais pas trop encore qui recruter. On verra, donc ce sera à vous dans les commentaires de me dire quel joueur recruter. Dolberg, 13 millions, ok, Mbappé ça y est pas cher. Ah oh ouais, Berardi, voilà. Berardi, je t'avoue que je m'y attendais un petit peu. Au Rigi encore, ça va. Donc on va avancer en plus, c'est Lyon. Lyon, ouais.
Franchement, ça... en tant que Stéphanois, le premier match de ma carrière majeure avec Saint-Étienne, ça tombe sur Lyon. Ouais, bon, j'aurais préféré mieux. Après, si je leur fais une petite branlée, je pense que c'est dur de commencer mieux, mieux. Mais j'avoue que, par contre, c'est moi qui me prends la branlée, ça me ferait chier. Ça me ferait chier, mais bon. Au jeu aussi, les maillots sont plutôt stylés aussi. Donc voilà, on va jouer en champion. Peut-être que je passerai en légende au bout d'un moment. Mais on verra. Donc on est parti. Ah oui, juste un petit peu, quand même, vérifier quand même. Dans les remplaçants, c'est bon. Avec le petit roux, on s'en bat les couilles. Ah, si Roméo. Enfin, je sais pas, après la prononciation, je sais pas comment ça se prononce. Roméo. Bref, on est parti, les gars, pour l'immersion de ce match. Let's go. J'ai perdu. On repart sur le contre. Le contre, Rodriguez. Il a un peu de vitesse, un peu de vitesse. Voilà, bien joué. On sent qu'il est pas mauvais techniquement. Oh, en plus, on a aussi Tadic. Tadic qui pète quand même en émo. Si, il est passé, pécho. Oh, il est passé. Dans l'axe. Oh, l'autre côté. Oh, boum. Sofiane. Allez-y, bon, on saute. Oh, dommage, la frappe est pourrie. Oh, c'est pas terminé. Ah, non, mais là, vraiment. C'est capté par le gardien. Première occasion du match pour nous. Lyon a une petite occasion. Bon, pas très dangereux non plus. Pour l'instant, rien à dire. Voilà, c'est qui, ouais. C'est que Lyonnais. Oh, attention, non, non, les gars. Ah, il est tout seul, Oh, la chatte, dégagez. Oh là là, c'était chaud. Bon, bah, mi-temps, les gars. 0-0. Un match plutôt équilibré. Voilà, j'avoue que j'ai eu un peu de mal. Je pense que ouais, je vais changer de système. Voilà, c'est assez équilibré. Hein, deux tirs cadrés pour Lyon. Nous, on a fait 3, mais ils ont la possession. On va changer de système. J'ai testé, mais bon, j'aurais bien voulu que ça marche. Parce que bon, j'ai Bouffal qui peut jouer en 10, qui est quand même meilleur en 10 pour moi. Notamment Tadic qui a vraiment des bonnes stats pour jouer en 10, mais sur le côté il manque vraiment de vitesse. Donc on passe en 4-2-2-2 comme avec Saint-Etienne. Avec des ailiers, on va les faire monter parce que bon, les MGMD, j'aime pas trop, ils sont trop défensifs, ils sont pas assez offensifs. Donc là, ils seront assez offensifs avec 4 attaquants. C'est une compo clairement très offensif, mais voilà, moi c'est ce que je veux, c'est voilà, essayer de marquer des buts. Donc ouais, on va tester comme ça. Long, Austin, ça peut être pas mal. Bon, Bouffal, Rodriguez, on verra, t'as dit, désolé mon pote. Donc on est parti pour les meilleures actions de la deuxième mi-temps, let's go. Et ça... Oh, il est tout seul, vas-y, Zoussine, vas-y, oh, penalty. Yes, les gars, penalty. Oh la chatte, Zoussine, par contre, il fait un peu de la merde. Là, ouais, il a mis 4 ans à essayer de contrôler. Et ouais, le défenseur, il m'a pris les gambioires, ouais, il est lent dans son enchaînement. Et on obtient un penalty, et c'est Charlie Austin qui va le tirer, c'est le buteur, c'est sa responsabilité. En fait, il a de bonnes stats en péno. Tu te foires pas, comme d'hab, toujours de même côté, puissant à droite, on tente pas du pied, l'arrêt exceptionnel, putain c'est pas possible. Ah si, il est vraiment pas réussite, on a pas vu du match, et là il y a l'occasion de marquer sur Peno. C'est l'arrêt après, franchement il est quand même bien tiré, hein. Enfin il est pas mal tiré, c'est Gardin qui va faire l'arrêt. Putain ça fait vraiment chier, et bon c'est pas grave, vaut mieux marquer dans le jeu que sur Peno. Ça c'est la phrase de rageux parce que je suis dégoûté de pas l'avoir mis. Elle a peut-être une frappe avec Warprose, ah dommage. Oh, attention, côté gauche, attention au centre. Allez, c'est Valbon dans le centre, il est parfait la casette. Et 1-0. Et ben voilà, on se souviendra que pour le premier match de ma carrière de Sundown, j'aurais pris un but par la casette. En tant que Stéphanois, ça fait plutôt chier, on va pas se cacher. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est un match amical. C'est pas très grave, enfin, c'est pas un match amical, c'est pas un match très important. C'est pas, voilà, on a loupé un pénalty, on se fait baiser, mais bon, on n'est pas non plus dominé, c'est un match assez serré. Maintenant, ce serait bien de pouvoir revenir rapidement dans ce match. Oh, belle action! Aussi bien joué avec Long. Non, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire, putain. On t'a tué le poteau. Voilà, bien joué. On laissait, on pousse, hein. On pousse, on mériterait d'égaliser. Et pour l'instant, toujours 1-0. Je pense que le fait qu'on ait passé à deux attaquants, c'est quand même plus simple à voir Rose. Voir Rose et Costine. Aussi, il y a une grosse frappe! Bien joué, mon pote. Voilà, il a du mal aussi dans ce match. Là, il s'est bien rattrapé avec une belle frappe, malheureusement pour moi. C'est pas rentré, allez le petit corner avec Warcross, on joue à deux, j'aime bien jouer à deux avec Jérémy Pied. Jérémy Pied. Oh qu'est-ce qu'on fait, on va passer. Oh boum. Oh là là, dommage les gars. On pousse, clairement on est mieux dans ce match. On mériterait vraiment d'égaliser. Et quand on est qui est rentré, on joue à deux, on joue encore. On essaie de jouer. Oh Platy. Oui. Platy c'est aussi. Bien joué mon pote. Là t'as pas le raté, là il arrive à provoquer le penalty. Voilà, c'est toi qui vas tirer les deux. Essaye moins dans le train. Parce que là, pour que ça soit un bon. Ouais, par contre, là, je change de côté, gros. Parce que là. Ouais, trop bien. Là, tout pile la merde. Change de côté. On va se mettre comme ça. Ouais, je vais tirer un péno dans cette position. Est-ce que ça portait bonheur? Allez, Austin! Mais c'est pas possible! Mais vas-y! Oh là 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 là, le pointard dégueulasse! Vas-y, je suis dégoûté, gros. Putain, ouais, lui.
Il marque pas des points. Hein. Attention, c'est quoi son pété? Il marque vraiment pas de points parce que là. Ok, à nous quand même. Il marque pas de points. Premier match, il loupe de péno. Je pense que. Marquer les points devant le coach. Parce qu'il y a mieux. Ouais, l'égalisation. Magnifique chez Long. Ben voilà, j'ai cru ça aussi, mais là, c'est bien chez Long. Pas de cacher plusieurs petites fois aussi pour qu'il se rattrape. Mais bien joué, le centre il est magnifique. Et Long, voilà. Aussi, il a perdu des points. Long, il en a gagné. Là-bas, je vais plus dans le long, finalement, je peux retourner comme possible. Voilà, bien joué la sec aussi. Donc, pardon, il est assez costaud, mais la fois, il marque un peu de la tête, il passe pas mal en petit coup d'heure, il est plutôt rapide. Il est intéressant, malgré qu'il ouais, est plutôt jeune. Voilà, forcément, les 60 ans, on ne peut pas se permettre d'avoir que des buteurs à 119 de général et 90 de potentiel, pas non plus déconner. Donc, on va essayer maintenant de gagner ce match parce que là, on les domine de fou. Là, par contre, c'est qu'on a vu d'un cornet, calme-toi. Tu viens d'entrer, je sais, mais calme-toi. Calme-toi. Heureusement que c'est crack. Récupération. Oh, il est parti chez Long. Oh, il est passé. Oh, le face-à-face. Ah, c'est mort. Oh, non, c'est mort. Eh, mon pote, c'est fini. C'est fini pour toi, c'est chez Long. Tu connais pas les pailles. Tu connais pas les pailles, je joue. 2-1, les gars. Et voilà, chez Long qui est rentré à la mi-temps. Qui a fait toute la différence. Bien joué, mon pote. Il marque des points en 86 minutes. Il vient nous offrir certainement la victoire. Pas non plus que je prenne ma confiance, il reste encore un peu de temps. Mais ça sent bon la victoire, je suis vraiment content. Bien joué, je pouvais pas me permettre de commencer ma carrière en gagnant pas face à Lyon. Voilà, rien à dire. Il a l'air d'avoir une bonne finition, franchement, il a l'air vraiment intéressant de chez lui. Ouais, c'est aussi comme ça, les gars, c'est vrai, il reste un peu de temps. C'est une victoire méritée, pour le moment. Après, il reste un peu de temps. C'est donc de sur la victoire maintenant, Fekir. Oh putain, il m'a cassé un rein. Oh Fekir, calme-toi. Oh, calme-toi, Fekir, calme-toi. Oh là, il me fait l'amour. Oh, il me fait l'amour. Non, 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 les gars. Oh, bien joué le tac. Oh putain, j'avoue que la Fekir, quand il lance, c'est compliqué d'arrêter. Non, 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 non. Oh, bien joué. Non, non, mais les gars, il a de la chatte. Oh là 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 là, mais putain. Vas-y, je suis dégoûté. Je pense que c'est le corner là, c'est vraiment. Il est rentré à la mi-temps en plus. Ouais, enfin, il est rentré. Ouais, je sais plus comment il est rentré, mais il est rentré en tout cas. Ah, ça part sur Fekir qui m'a vraiment fait l'amour, il a vraiment déstabilisé ma défense. Après, voilà, il est en train de favorable. Ça fait 2-2, bah c'est. Au moins, voilà, on se fait pas chier, c'est des matchs intéressants. On sait qu'il y aura des choses à régler défensivement parce qu'on se prend quand même 2 buts. Mais bon, c'est comme ça, il reste partout dans l'action, c'était cool avec Bertrand. Avec Soso, Bouffal. On joue Bouffal avec Bertrand. Oh, bien joué, ça joue bien. Alors, Bertrand, ancien de Chelsea, c'est magnifique. Oh non. Oh non, un carton. Bah ouais. Mio qui ouais, il a provoqué un pénalty, franchement Mio il aura pas vraiment été dans son match. On va jouer à deux, vas-y Bouffal. C'est qui, c'est chez Long en plus. Avec Bertrand. Et Bertrand trouve Jérémy Pied. Oh avec quoi, vas-y mon pote, la dernière chance. C'est contré, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh le stress, la pression les gars, la pression. Vas-y centre, c'est rendu pied, c'est pas fini. Fais la passe avec Jérémy Pied, l'enroulé. C'était Jérémy Pied. Je me suis enflammé en plus du gauche. Fallait pas déconner. Mais bon, premier match, match 2-2, on a dominé Lyon. Franchement, il y a beaucoup de choses positives, il y a plus de choses positives que négatives, donc c'est cool. Après, voilà, défensivement, j'avoue que c'était un petit peu la galère. Vivement qu'on recrute un gardien aussi. Mais bon, il y aura beaucoup de choses à régler, ça je le sais. Donc, ouais, par contre, le prochain match, ça va être chaud de le jouer parce que bon, je vais pas non plus jouer tous les matchs. Hein. Ouais, si je pense en faire deux quand même, parce que un, ça fait quand même peu. Mais bon, donc les entraînements, on simule. Bon, là, je fais très rarement les entraînements, je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Voilà, moi j'ai toujours la flemme, c'est pour ceux qui découvrent ma chaîne. Maintenant, et eh ben je. Oh, les recruteurs. Ah oui, j'ai pris le truc recruteur. Ah, ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Rashford 8 joueurs. J'attends avant de faire des offres, de savoir leur général. Alors, je pourrais aller sur Ultra FIFA ou sur FIFA, mais comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, j'ai la flemme. Donc, je préfère attendre quelques jours sur FIFA, où on a une offre pour Shane Austin. J'avoue qu'il m'a fait vraiment faire un match dégueulasse. On verra ça après, on va devoir. Simuler match parce que j'avoue que je vais faire que deux matchs et j'aimerais quand même avancer dans le mercato, donc on va simuler ce match. Donc on va mettre l'équipe B en espérant prendre les 3 points parce que là on a fait un match nul, ce qui est pas non plus exceptionnel, on va pas se cacher. Et si on veut se qualifier, et bah, il faut prendre des points et au moins une victoire parce qu'on a toujours pas gagné. Donc j'avoue que l'équipe, ouais, faut vraiment que je recrute un buteur là parce que si je vends, je pense que franchement aussi j'ai bien envie de le vendre parce que là il m'a franchement déçu. Long, il m'a vraiment, j'ai vraiment pas envie de le vendre. Et j'ai vraiment besoin de recruter, j'ai vraiment envie d'avoir recruté un attaquant, donc forcément que je vende. Et aussi, il a une bonne valeur marchande, alors que Long, pas vraiment. Donc je pense que ça peut être pas mal. Bon, bref, on va simuler un match face à Espagne et Barcelone. Normalement, on est au-dessus, mais bon, un match extérieur, ça va être compliqué, ça sent nul. Et ben voilà, 1-1, Tadic qui marque. Tadic aussi que j'ai du mal parce que je vais jouer avec deux attaquants, donc il y aura
pas de MOC dans ma compo. Donc Bouffa est plus MOC, mais avec sa vitesse et sa technique, il peut jouer sur un côté. Il joue souvent même sur un côté maintenant. Alors que Tadic, bon, il joue plus sur un côté, mais il a que 74 de vitesse. Et voilà, Dolberg, oh, il est pas mal, hein. Bonne stat, un jour Jovic. Ouais, Dolberg est pas mal. Après, Dolberg, c'est pas un joueur de profondeur, j'aime bien un peu d'avoir des joueurs rapides. Ouais, je sais pas du tout, franchement. Après, j'avoue que Rashford, j'ai pas testé. J'ai vraiment pas du tout testé cette année, donc c'est l'occasion de tester aussi, hein, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, on verra, donc on va prêter. Oh, je sais plus tout ce que j'ai, je parlais. Voilà, je crois. Oh, Lorient! Ah, vas-y. Il coûte 5 millions, il a que 77 général, il a 31 ans. Il coûte plus de 5 millions, c'est quand même pas mal. On va mettre à 5 millions, ouais, comme. On va le vendre non plus à 4, on va essayer de le vendre le plus cher possible. Et aussi, voilà, il a une valeur intéressante, il vaut plus de 10 millions. Stoke City, ça... ah ouais, il a 27 ans aussi. Ah ouais, je pensais qu'il avait genre 23, 20... non, t'es pas... je pensais qu'il avait genre 24, 25. Non, ouais, on le vend. On le vend, on le vend. J'essaie de leur foutre une carotte à Stoke City, je sais pas si ça va passer. Mais bon, ce serait quand même pas mal, on va pas se gâcher. Donc, mort aussi. Mort, Emre Mor, qui est. Petit général, mais il est rapide, il a 4 gestes techniques, il est intéressant. Sauf que moi je cherche un buteur avec un plus gros, bah, potentiel, parce qu'il a un gros potentiel, mais un plus gros général. Dumbrama aussi, lui, je vais le recruter, je pense. C'est le meilleur gardien FIFA en termes de potentiel. Voilà, c'est tout simplement c'est le meilleur. Et j'ai pas testé non plus il y a 17 ans. Ça fait bizarre de faire un tiers avec des joueurs plus jeunes que soi. J'avoue que voilà, c'est ouais. Ouais, genre, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être moi. Ouais, ça fait mal de se dire qu'il y en a, ils ont 16 ans et. Et il gagne 6 000 euros par mois, alors que moi, bah. Moi, je galère comme un con en cours. Même si, bon, je gagne un peu de sous. Hein. En vrai, on s'en bat les couilles, hein. On va pas rentrer dans les détails de ma vie perso. Donc, Dolberg, on verra. Ouais, il a une valeur de 13 millions, quand même. Hein. Il vaut un petit peu. Alors, ce que je vais faire, au pire, on va peut-être mettre des joueurs en transaction. Alors, j'ai qui que je pourrais mettre. Non, t'as dit, je vais pas le voir. T'as dit, je sais pas encore. T'as dit, je sais pas encore quoi faire. Dans les commentaires, au pire, proposez-moi un ailier, ce sera votre boulot parce que je vais pas faire tout le travail non plus, hein, pas déconner non plus. Mais voilà, vous me proposerez un ailier titulaire, donc pas un petit ailier jeune avec un bon potentiel qui a genre 70 déjà, vraiment un mec titulaire qui a au moins 75, 76, au moins, vraiment au moins pour remplacer Tadic qui a vraiment pas de vitesse et puis bon, il est plus tout jeune non plus, donc on peut le vendre assez cher, on peut en profiter, mais c'est vrai que voilà, un ailier sans la vitesse, voilà. Encore un buteur, il n'y a pas de souci, hein. Mais même si je préfère un peu avec la vitesse. Mais bah, quoi, avec certaines, j'ai Berich, il est lent et je kiffe. Mais sur le côté, c'est important la vitesse. Donc voilà. Jovic, de. Ouais, non, lui, moins intéressant. Bernardo, je suis choqué qu'il tue à Sassuolo, quoi. Je pensais qu'il. Il est pas signé à la Juve. Peut-être qu'il est prêté. Enfin bref. Bah non, autrement, il m'aurait dit qu'on était prêté. Ouais, on s'en fout, Davis. Ils sont sérieux. On met quoi? Bon, vas-y, on accepte. On va pas faire les radins. Donc, ciao, Davis. Merci pour tout. T'as pas joué un match, mais merci pour tout. 17. Et en vrai, on peut faire. En plus, on a un bon but. Ah oui, j'ai même pas parlé du budget. On a 50 millions de budget. J'ai pas mis l'aide. Voilà, j'aurais pu avoir 20%. Ça m'aurait fait genre 110 millions. Mais bon, j'ai voulu garder un peu de réalisme. Et pas voulu tricher entre guillemets. Enfin, pas tricher, mais voilà. J'ai voulu déjà que 50 millions, c'est déjà bien. Pour ce tout premier mercato, je vais pas non plus recruter des joueurs à 45 millions. Donc Dumbrama, on va mettre en transaction avec mon gardien. Est-ce que j'aurais besoin de mettre des sous, à mettre 1 million? Je pense que s'il y a moyen que ça passe, il a 15 millions de valeur. Ça peut peut-être passer, même si je pense que j'aurais rajouté quelques millions derrière. Là on a Porto, le match passe à Porto, par contre on va le jouer. Ils sont premiers, ah ouais, donc c'est voilà, ça va. On n'est pas du tout largué, donc ce serait bien quand même de faire un résultat. Pour aller chercher les qualifications, on joue encore à domicile. Même si c'est pas dans notre stade, hein, c'est. Voilà, faut attendre que le championnat commence pour vraiment jouer dans notre vrai stade. Donc on va remettre l'équipe type, les gars. Donc défensivement, l'équipe défense centrale, j'attends vraiment mieux. Parce qu'ils m'ont fait de la merde. Ils m'ont clairement fait de la merde. Donc j'espère qu'ils vont se rattraper cette fois-ci. Classy, ça peut être pas mal. Et c'est vrai que vu que j'ai une compo assez offensif. Donc voilà, je préfère des terrains défensifs alors que Warpros et l'autre jeune, c'est plus des. C'est pas franchement des terrains super défensifs, super physiques. Donc lui voilà il amène un peu cet aspect là, putain j'ai galère à parler. Donc on va remettre les AGAD comme tout à l'heure. Non, c'est pas le toi que je voulais toucher, voilà. Ouais, Tadic il est comme ça, ce genre. Franchement Tadic on peut le vendre assez cher je pense. Donc proposez-moi dans les joueurs hein, dans les commentaires. Proposez-moi aussi un latéral gauche, je crois que j'aurais besoin d'un latéral gauche pour un jeune latéral gauche pas cher. Pour être la doublure de Bertrand. Un buteur.
un ailier vraiment chaud et un milieu de terrain aussi vraiment chaud. Mais genre plus défensif, pas dans le style Verratti, plus dans le style à Fellaini. C'est pas le bon. Bon, on va dire Yaya Touré, parce que j'avoue que l'exemple de Fellaini c'est pas le bon, mais genre un mec assez grand qui est quand même plutôt pas mal. Donc bref les gars, on est parti pour les meilleures actions de ce match. Let's go pour le dernier match de cet épisode. Il y a un bon coup à jouer. Ouais, j'ai fait ce regardien. La connerie, non, c'est bon, tranquille. Oh. Tranquille, tranquille, pas trop tranquille que ça non plus. Hein. Donc mi-temps les gars, 0-0. Un match, voilà, bon, Porto qui est quand même une belle équipe. Donc voilà, et franchement je suis plutôt satisfait parce qu'on a les occasions, ils ont fait aucun tir. Ils sont vraiment pas du tout dangereux, attention au réveil quand même, ils ont des bons joueurs, une vraie, etc. Mais on domine, on n'a pas su marquer. Pour l'instant, défensivement, on est serein simplement parce qu'ils n'ont aucune occasion, c'est forcément pour le soir. Mais attention à pas se prendre un but voilà, sur leur première occasion là, c'est tout, voilà, bien joué. Premier arrêt du gardien. Donc voilà, parti, première action, la dernière. Ce serait pas le moment de se prendre un but sur une grosse erreur de ma part. Attention, bien joué, dégage ça, et ben voilà. Oh là là, sur l'une des premières occasions, on se prend un but sur ouais, la première occasion. On se prend un but sur leur buteur qui vient d'arriver, qui fait son premier match. Belle portée. Ouais, j'ai pas du tout l'accent gros. Donc voilà, c'est carrément de ma faute, je sais pas si je vais montrer. J'ai pas vu dans le montage. Voilà, j'avais le ballon du défenseur central, j'ai continué à tripler. Je perds le ballon, derrière il y a un corner, derrière je me prends le but. Ça fait chier parce que c'est pas du tout mérité, vous avez vu avec les stats. Après c'est comme ça et là j'avoue qu'on est bien parti pour être éliminé là, si on perd ce match. Il reste du temps, voilà, c'est le début de ma carrière, on va commencer à s'énerver. Il nous reste vraiment du temps pour revenir. Puis bon, c'est qu'un match, c'est pas non plus le championnat. Donc on est reparti, on y croit tous ensemble, unis sous les mêmes couleurs. Et le mec il y croit trop. Par contre la belle récupération. Oh ben je vais de l'autre côté, le face à face. Ok. Long, je t'ai fait pas mal de compliments. Aussi n'est pas parti encore. Donc ça peut changer. Hein. On lui met un petit coup de pression local. C'est le moment. Allez Cédric. Allez Cédric. Je vais avec Classy. C'est pas forcément le plus rapide. Mais Robert joue la passe dans la tête. Vas-y, t'es parti, c'est qui? C'est qui, c'est Rodriguez? Mais face à face Rodriguez. Bien joué les gars. L'égalisation. Et toi qui ne fais pas la petite phrase. Et un bout parti, on égalise. C'est largement mérité. La première mi-temps, on a vraiment des occasions. Une très belle action collective. Ouais, il a pas fait magnifique. Le petit contrôle, le plat du tour. Ouais, il a pas tremblé. Belle discussion de Rodriguez. Un bout parti. En plus, c'est le Sias. C'est plutôt sympathique. Ça me reste un gardien avec du vécu. Voilà. Donc, on est reparti maintenant. Maintenant, les gars, on va leur foutre une branlée, tout simplement. J'espère que ça ne va pas non plus se prendre un but juste derrière. Comme on l'a fait face à Lyon, en espérant qu'on a retenu la raison. Attention avec. Je me poste mais wesh, putain, je le dis en plus juste avant. Faut pas que je. Ouais, vas-y, nique sa race. Je crois que ma car manager elle va durer un épisode, bro. Je vais même pas faire deux épisodes, et moi je suis dégoûté. Ça commence bien, hein. Ah, je déconne, bien sûr, mais bah, ça fait chier. Défensivement, c'est catastrophique. Hein. J'hésite vraiment à recruter derrière parce que là, le gardien il fait rien, il sert à rien. C'est un plot ce mec. Il fait aucun arrêt, il est pas du tout décisif. Bon, après, j'avoue, hein, je sais pas que les buts sont faciles à voir, non, mais voilà, c'est pas un gardien décisif pour le moment. Défensivement, j'ai une défense centrale vraiment costaud, c'est de bonnes stats. Et pour l'instant, ça se voit pas. C'est comme ça, on va essayer de se réveiller maintenant parce que bon, là, si on perd, c'est presque foutu. Là, par contre, c'est fait l'action. Là par contre c'est plutôt pas mal, là vous me faites plaisir. Allez Rodriguez, oh c'est magnifique, ce saut Poufal. Ah putain c'était dommage, c'était bien joué, dommage. Allez Bertrand, oh la récupération Bertrand, allez Rodriguez. On va tenter le centre au deuxième poteau, avec Sofiane Poufal, yes les gars. Sofiane Poufal de la tête. Ah c'est n'importe quoi gros. Sofiane Poufal de la tête, et bah oui tu vas faire quoi, on est là nous. Oh là là c'est magnifique. Le centre il est magnifique, j'avoue Poufal bon. Et voilà, je pensais plus qu'il est parti un peu comme c'est bon pour sa défense. De la tête, et comme ça. Moi ça me dérange pas, c'est mon pote. Son premier but, forcément, ou deux, c'est vraiment un peu. Vous avez de la chance, cet épisode, il y aurait deux très, très bons matchs. Mais voilà, il y aurait des buts de part et d'autre. Ça fait comme 8 buts en 2 matchs, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, c'est comme ça, chercher la victoire, les gars. Et essayer de pas se prendre un but directement après, parce que là, j'avoue que j'aurais le seum, les gars. Non, les gars, ah, c'est bon, ils m'ont fait peur. Pereira. Je pensais y avoir jeu sur le centre, il est tout seul, mais putain. Eh mais c'est nimpe, dès qu'on égalise on se fait niquer après. Oh là 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 là, c'est. Eh mais sérieux les gars, ça fait 5 buts pris en 2 matchs.
Ouais, putain, ça sent la défaite. Mais bon, on baisse pas les bras, à chaque fois on est mené, on arrive toujours à revenir. On a une force de caractère, faut essayer de voir les. Putain, les gars, si vous vous gênez, il reste plus beaucoup de temps, passons à l'attaque de folie. Allez, nique sa mère, on balance tout. On appuie en imperbe, jeu de récupération. Allez, prends-la, tu l'as bien joué. Allez, 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 oh t'es parti, oh t'es parti. Oh, oh mais gros, c'est quoi cette passe merdique, putain, lui, moi, je l'ai fauché violent. Les gars, c'est terminé, défaite 3-2. La première défaite d'Inter Manager. Il y aura beaucoup de choses à rectifier, hein, notamment défensivement, c'est pas possible. Ça fait deux matchs où on domine. Et deux matchs, bah voilà, on en a gagné aucun. Donc c'est pas normal. Lyon a fait 1-1, donc ouais, on n'est pas non plus éliminé encore. Ah bah si. Et bah voilà. On est éliminé. Ah voilà, c'était ça. Ah oui, ça, on a déjà joué. Ah bah oui, on a déjà joué trois matchs. Voilà, merci à tous, au revoir. Non mais c'était fait exprès gros. C'était fait exprès, voilà, moi je voulais me concentrer sur le championnat directement pour l'épisode 2. Hashtag, non pas du tout d'hashtag, c'est juste que je suis nul. Donc Georges Omeret, lui je m'étais informé, j'ai vu comme que sur Trafify il avait des bonnes stats. Je crois qu'il a 116 général à 20 ans, un beau potentiel. J'ai jamais vu perso en carrière. Donc ça peut vraiment être sympa. Dolberg. On va mettre combien? On va mettre combien? On va mettre 12 millions. Alors, c'est pas forcément parce que je mets de l'argent sur lui que je vais le recruter. Voilà, je verrai. C'est à vous de voir. À dire dans les commentaires qui je recrute. Donc, voilà, il y a Rashford, il y a Origi, il y a Dolberg, mon buteur. J'hésite entre les trois. Si vous avez d'autres noms, n'hésitez vraiment pas à me les dire non plus. Je suis ouvert à tout. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir continuer maintenant. Bah, de toute façon, ça va être la fin de cette vidéo. On va avancer comme un peu. Je remercie la com générale. Voilà, voilà, franchement, il est intéressant. Il est vraiment intéressant. Donc, Rashford aussi, il est intéressant. Il est rapide. Il me semble qu'il a. Je sais, non, il a pas. Je crois pas qu'il a 4 étoiles, mais il est vraiment intéressant avec sa vitesse. Oh, nickel. On va pouvoir lui mettre un petit contrat pour Gianluigi Donnarumma. Voilà, j'ai un peu du mal à prononcer. Mais on va s'y faire au fur et à mesure. Lui, ça va être un peu comme Lafond, il va augmenter de fou. Ce qui est plutôt cool, cool, 2 millions, ok, Austin, ok, nickel. Joueur vendu, ok, bah ça nous fait pas mal de pognon tout ça. Ça nous fait pas mal de pognon. Donc ce sera à vous dans les commentaires de me dire sur quoi investir. Alors, on va mettre l'équipe type, là je vais mettre mon dispositif. Et on va mettre mes AGAD pour pas que j'aille le refaire à chaque fois avant le match parce que c'est chiant, on va pas se le cacher. Et à chaque fois que je me chie, c'est pas lui que je veux. Voilà, c'est le mec à droite avec Tadic. Donc t'as dit ouais, que je pense vendre également. Donc bon, je vais pas vous le dire au moins 10 fois. Vous me direz dans les commentaires qui prendre. De toute façon, j'ai fait le tour. Hein. Un arrière-gauche jeune prometteur pour être remplaçant. Un ailier titulaire indiscutable pour remplacer Tadic qui a besoin de son général avec un beau potentiel. Jeune, rapide et tout. Si possible, technique. Bon, c'est pas. Voilà. S'il peut avoir 4 étoiles, j'avoue que ce serait parfait. Un milieu de terrain vraiment très lourd. Très très lourd. Voilà, bon buteur, enfin très lourd, voilà, entre guillemets quoi, un bon buteur. Et puis le buteur, et puis je pense que ce sera bon pour ce mercato. Autrement, on est plutôt pas mal, même si j'avoue, proposez-moi quand même un défenseur central, parce que j'avoue qu'avec les matchs calamiteux qui s'est passé, voilà, j'avoue que Fonte, il est bon, mais tu vois, il a 32 ans quand même. Enfin, il est bon dans ses stats, mais là, j'avoue qu'il me fait un peu peur. Donc proposez-moi également un défenseur central vraiment lourd. Ça ne veut pas forcément dire que je vais prendre un défenseur central, mais si vous proposez des joueurs intéressants et que vous me trouvez de bons arguments, et ben je peux craquer. Je me dis, ah ouais, tu as raison, petit gars. Donc je le prends, vas-y. Donc bref, les gars, on va vite fait. Voilà, on arrive jusqu'au bout, nickel. Donc j'espère que ce premier épisode vous a plu, les gars. Si cette carrière vous plaît et que vous avez hâte de voir la suite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, parce que les pouces bleus, ça permet de voir si vous aimez ou pas cette carrière. Donc moi, les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian, ciao.